Bonjour à chacun et chacune et bonne journée dans la joie de nous savoir aimés de Dieu. Nous sommes le 21 novembre. L'évangile de ce jour nous invite à découvrir la vraie parenté de Jésus. La foule est là, assise autour de Jésus et se trouve bien. Comme cette foule qui écoute, moi aussi je suis invitée à m'asseoir pour écouter la parole, pour me laisser transformer par elle, pour accueillir réellement les paroles de Jésus. Il est nécessaire de m'attacher au Christ dans une relation toujours plus vraie, toujours plus grande. La parole, c'est Jésus, parole du Père. Prendre soin de la parole, c'est l'accueillir en vérité. Dans cette page d'évangile, Jésus s'adresse à sa mère et à ses disciples, qui vivent déjà une communion avec lui. Il leur rappelle le lien unique de chacun avec lui. Marie fait partie des disciples qui cherchent à vivre selon l'Esprit. Elle fait la volonté de son Seigneur qui est son Fils. En ce jour où l'Église fait mémoire de la présentation de Marie au Temple, que Marie nous accompagne sur ce chemin de vie qui nous fera devenir, jour après jour, disciples de Jésus et que, comme elle, toute personne devienne mon frère, ma sœur. Que sa présence en moi me donne d'être de plus en plus membre de cette nouvelle famille que Jésus a voulu en donnant sa vie. Belle journée! Invités à nous reconnaître de la famille de Jésus. À bientôt.